Eh bien bonjour à tous, c'est Darklink, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle épreuve sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Ah, ça fait tellement plaisir, une nouvelle épreuve dans l'environnement de Wind Waker, et oui. Alors là, je me demande bien ce que ça va donner. On va voir un petit peu les personnages, voyons voir si on peut... Ah non, il n'y a pas... Ah d'accord, parce qu'en fait, je pensais qu'il y aurait la Tetra qu'on peut voir, et apparemment il faut prendre ce personnage pour avoir un reset d'attaque de cœur entier. Mais ça, ce sera dans le mode libre après avoir terminé une première fois la mission. Voilà. Apparemment on est restreint à Link, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. On peut changer de costume. Est-ce que j'ai gagné un nouveau costume? Ah, j'avais pris un costume de Breath of the Wild. Tenue d'origine au tout début, la toute première mission de ses aventures. Et là, la tenue du héros qui porte tout au long de ses aventures. Et pour changer, on va prendre Breath of the Wild. C'est parti. Épée de légende. Ouais, on va garder l'épée de légende. Voilà, là, le choix est vite fait. Oula, j'ai deux fois le... truc en violet. J'ai pas compris comment ça marche déjà, parce que là tu élimines les monstres mais c'est pas décompté, il faut faire un truc avant de pouvoir débloquer, et il faut que ça devienne rouge le nombre d'ennemis à éliminer. Though peace was expected to return to Hyrule after Ganon's fall, something rather ominous happened instead. A new world appeared, a world of a different dimension. Impa had summoned Link to Hyrule Castle. She asked him to investigate the strange happening. Once the preparations for his adventure were complete, Link set off. He entered the strange new world. It was a vast, mysterious dimension with an unfamiliar landscape. There, he met a girl who was battling monsters. Her name was Tetra. She was the leader of a gang of pirates, but she had become separated from her crew during the recent dimensional event. Though strangers, the two could agree on one thing. The monsters Tetra was battling had to be defeated. They joined forces to take on the enemy. Bon, je sais déjà qu'il y aura trois zones. Ah là là, alors Mercantile, j'ai reconnu Mercantile, l'île du dragon, et la forteresse maudite dans laquelle nous allons nous aventurer. Alors on va porter secours, enfin prêter ma force surtout à Tetra, apparemment, pour éliminer les monstres et... alors voyons, champ de bataille. Donc, voilà, il y aura des capitaines d'Hyrule avec nous. Roblin, le chef. Ah ouais, bon, j'aurais préféré le découvrir. Bon, tant pis. Maintenant, je sais qu'on va affronter l'oiseau géant. Bon, après, d'un côté, ça aurait pu être logique, hein, vu que tout en haut de la forteresse, c'est des... Enfin, de la forteresse maudite, il y a son nid.
Allez, on va commencer. Ah, mercantile. Une dragon. Et forteresse maudite. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas que trois missions quand même dans Wind Waker. Ah, mais les trois sont accolés? Non. Ah, c'est bizarre ça. Les trois sont accolés en fait. Je pensais que c'était des missions séparées. Bon, en tout cas, c'est très joli. Hein. Là. Ah, de nouveaux ennemis, c'est génial ça. Les ennemis tirés de l'univers Wind Waker. Ah, c'est vraiment très joli. Alors qu'on est très bien, Mercantile. Ah, peut-être les bombes géantes. Une grosse bombe, je sais pas. Ou autre chose. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez le contrôle de la poudrerie. Contrôle de la poudrerie. On peut monter là? Non, on peut pas, il est mur invisible. Ah, ça fait vraiment plaisir, c'est génial d'avoir un peu de nouveauté, quoi, en gros. Donc, je suis déjà monté niveau 40, j'ai 3 barres, 3 jauges de puissance. Et je peux prendre Tetra. Ah, il est niveau 28. Ah, d'accord. Ah, bah voilà, on va prendre Tetra. Elle a un flingue, apparemment. Attends, prenez le contrôle de la poudrerie. Alors là, on va aller là où c'est indiqué. Hein, voilà. Essayez de se concentrer un petit peu sur la mission, parce que là, je suis vraiment sur le cul. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de nouveaux ennemis, ça commençait sérieusement à se répéter, et là, un peu d'air frais. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Ah, c'est bizarre ces monstres-là. Je les ai pas vus ceux-là, ils ressemblent pas trop aux monstres de l'univers Wind Waker. Bizarre ça. Mais ils sont bien faits, je trouve. Vraiment bien faits. Ah, à mon avis, il y aura de nouveaux boss. Ah, par contre, ouais, les musiques, c'est un peu les mêmes. Hein. J'aurais préféré une musique sorte de remix, comme dans les anciens univers Zelda. Les remix de l'univers Wind Waker. Mais... peut-être plus tard, je sais pas. En tout cas, ils sont vraiment bien faits, les ennemis. Aïe. Et voilà. Bon, vu que j'ai pas du tout augmenté les stacks, je peux pas faire d'attaque spéciale. Ah, j'ai ouvert les portes. Ça sent le trésor. Ah bah, allons voir ça. Trésor, allez, on y va. Il est où? Ah mince, eh oui, la flèche, évidemment. Toujours aussi petite sur la carte, hein, ça change pas. Hein. Allez vite, le trésor. Il est où le trésor? Ah, un coffre. Bah, de toute façon, de pas tomber dedans quand même. Hein. Ah, un marteau. Mais cet objet me rend complètement marteau. Mais non, je suis enfermé. Ah, d'accord. De nouveaux objets. Ça fait vraiment plaisir, ça. Ah, elle tire de l'eau avec son pistolet. Elle tire de l'eau avec son flingue. Donc, l'élément à elle, ça doit être l'eau. Ça paraît logique. Ah ouais, excellent. Gros Moblin avance sur Mercantile. Ça ne me plaît pas du tout. Où est-ce que je suis sur la carte? Je vois qu'il y a un hibou pas loin. Mais... ah là là. Ah oui, la flèche bleue dans le fond bleu aussi, c'est pas simple. Donc là, je dois me concentrer sur les points verts là, qui clignotent. Voilà. Ah, évidemment, ils sont en surbrillance blanc, donc c'est les ennemis importants à éliminer.
Ah, ça apporte vraiment un peu de fraîcheur là, toutes ces nouveautés, ça fait du bien. Il manque plus que les nouveaux musiques. Évidemment, le nouveau boss hein, qu'on affrontera sûrement à la fin de la mission. Voilà, l'oiseau de... L'oiseau qui nous attend, quoi. Une espèce d'oiseau gigantesque. Qui est... attention, je spoil, hein, vous coupez le son si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais le serviteur de Ganondorf. Voilà, l'oiseau géant au service de Ganondorf. Attends, il y a des croix vertes là. Ah bah ouais, je vois bouger ça. Peut-être un coup de marteau, je sais pas. Peut-être des bombes. Voilà, il faut des gantelettes d'or alors. Attends, mais il est où? Bon, je vais d'abord éliminer les ennemis. Regardez, il y a des murs. Ah ouais, en plus ça me bloque le passage, donc faut vraiment le... Ah bah le voilà. Il est descendu de son nid pour nous dire un petit bonjour. Comme c'est sympa. Eh ben, on va pas se faire prier. Alors, détruisez tous les gros rochers. Bah ouais, mais comment? C'est le roi cuirasse. Oiseau kidnappeur, il va faire tomber le fort. Oh non, que c'est le roi cuirasse. Je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Ah, ils sont galvanisés. Bonjour, bonjour. Je cherche la princesse Zelda. D'accord. Je sais pas trop ce qu'il fait. T'es pas une autruche, hein. Il fait l'autruche. Il fait la grosse autruche, et voilà. Il essaie de m'impressionner, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il plante son bec et après il s'envole. D'accord. Ah, il est vachement bien fait l'oiseau aussi. Ça fait tellement plaisir. J'ai envie d'éliminer eux et après je m'occuperai de l'oiseau. On a eu au moins ici. Ah non. Bon, je vais lire dans ma tête, hein, parce que sinon... Allez, on va essayer de finir comme ça. Voilà. Attention à ses coups. Voilà, je récupère ma jauge de coup fatale. Très bien. Allez, dehors, du balai. Et voilà. Voilà comment il faut faire. Mais il est parti où l'oiseau, là? Mince. Il est parti où l'oiseau? Ah, ils sont tous galvanisés, mais non, je sais pas trop comment. En tout cas, Link il se défend bien, ça c'est cool. Ah là là. Après, j'ai peut-être qu'ils ont expliqué comment il faut faire pour bouger les rochers, mais j'ai pas dû faire gaffe. Ah, il faut le marteau pour l'immobiliser. Bon, ça, évidemment. Ah, bah, ça a marché aussi. Je pensais que c'était vraiment uniquement quand il y a l'icône qui apparaît. Ah, attendez. J'arrête en pleine action, désolé. Juste voir ma base alliée. Allez, tout en bas. Il y a un petit peu de rouge à proximité, mais je pense que ça peut attendre encore. Encore un petit peu. Allez, viens ici. Allez, vite. Voilà. Non, à toi. Bon, lui il est pas nécessaire à être éliminé vu qu'il est pas en surveillance. Là j'aurais pu contrer son attaque avec le marteau mais...
l'a raté évidemment. Voilà, faut que je surveille un peu de temps en temps la barre de vie de Link. Hé, j'ai été plus rapide. Ah mais non, mais... Oh, le réflexe, c'était... Ah, ils vont prendre notre base. C'est là-bas. Il faut que je défende de ma base. Que je défende ma base, je vais y arriver. Ah ouais. Tiens, parce qu'il se protège là. Attendons le bon moment. Ah, ça va, impeccable. Ah, nickel. Efficace le marteau. Ah, il y a l'oiseau juste à côté. Allez, vite. Il y a un soldat à sauver. Ouais, je crois que je l'ai loupé l'oiseau. Ah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau sur la tête. Voilà. C'est marrant d'avoir des ennemis complètement originaux comme ça. Même pas tirés de l'univers Wind Waker. Ah oui, c'est enfui l'oiseau là. Bon, bah on va aller. Bon, il reste encore un peu de rouge. Bon, il y a quelques ennemis. Ah bah voilà, nickel. Ah, un rocher. Voyons voir ce qu'il y a sous le rocher. Ah, une jarre. Ça, c'est pour plus tard. Pour lui, c'est pas nécessaire. Ah bah, ils vont aller vers ma base aussi. Aïe, 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 je ne sais que faire, là. Et les trois croix vertes, en fait, c'est les rochers que je dois enlever, mais comment on les enlève? On va aller voir ça parce que bah, je surveille ma base en même temps. Ah bah j'ai pu passer là. Ah ouais mais non je peux pas. Mais non. Ah mais qu'est-ce que je fais moi? Ah n'importe quoi. Ah, je voulais voir si on pouvait se mettre devant et appuyer sur un bouton pour le soulever. Mais non. Bon, on va refaire le tour par là-bas. Allez, on va prendre Link un peu. Alors, on va faire le tour par là. On va essayer de passer de l'autre côté. Alors, ah ouais, voilà, il y a des ennemis qui... Ennemis galvanisés en plus, ça c'est le pire quoi. Ah, ils peuvent faire tomber notre base facilement, rapidement. Ah, et niveau 41, forcément, c'est plus rapide. Ah, c'est beaucoup plus facile avec Link, c'est sûr. On va aller par là. Allez. On va prendre cette base là. Prendre un peu de magie. Ah, voilà le chef. Et voilà. Ah, très bien, là, on continue là-bas.
Peut-être qu'il fallait faire le tour de l'autre côté pour soulever les rochers. Je sais pas. J'ai de la poudrerie imminente. Ah ouais, mais je suis dans une impasse là. Je suis où là? Bon, on va continuer. Attendez, parce que là c'est un peu compliqué. On va activer ça. Ah, il s'est fermé, évidemment. Non, c'est pas par là qu'il faut venir. Là-bas non plus, on peut pas passer. Là, je comprends pas grand-chose. On va aller voir un peu par là-bas. Allez, on va faire péter le rocher. Ah, c'est pour l'équerre. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, faut... Je sais que là, je m'éloigne de mon objectif, mais... Ah. Ah. Bon, après, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien à faire de plus. Il faut aller là-bas, parce que tout est fermé. Allez, c'est par là-bas. Putain, il y a deux brutes là-bas. Moi aussi, je sais faire la brute. Baby. On va le finir lui, là. Voilà, ça on a récupéré la poudrerie, très bien. Ça on peut pas le péter. Non. On va aller voir les rochers, mais bon, comment on le soulève? Non, c'est pas par là. Là, faut défendre l'école de... Mais elle est où son école? Ah d'accord. Pour l'instant ça peut attendre un petit peu. Là je vais voir pour le rocher mais... Mais comment tu l'enlèves? Parce que quand il y a un personnage qui récupère un objet, c'est tous les personnages qui l'ont. Bon, bah, faut s'occuper du roi cuirasse, hein. Je vois pas ce que je peux faire d'autre là. C'est un problème tout ça. Ouais, un petit peu de magie. Ah.
Ah d'accord, c'est comme ça. Ah très bien. Et la musique change. Ah, remix de Wind Waker. Ah bah voilà, ça fait plaisir ça. C'est ça qu'on veut. Ah bah voilà. La musique devient plus joyeuse. Ah voilà, en plus le roi criera, c'est parti. Là j'ai débloqué le passage, donc on va y aller. Ah oui, je suis là-bas. Allez, pour être plus loyal, on va prendre le personnage adéquat, hein, à l'univers et au thème. Voilà. Histoire de lui monter un petit peu de niveau. Pour l'instant, ma base, tout va bien. Et... Ah! Ah oui, il y a un autre rocher, là. Ah, mince, je tourne en rond là. Attendez, ça c'est par là-bas. Oh là là, je suis un peu perdu là. Il y en a un qui dirige vers une base. Prenez le fort aux aux entrées de la forteresse maudite. Attendez, je suis là. Fermé. Là. C'est par là. Oh là là. Ça c'est quoi? Un rocher. Ah, un coffre. Ah, sûrement un réceptacle de guerre. Et oui. Nickel. Très bien. Donc ouais, j'ai bien fait d'avoir été curieux de voir ce qu'il y avait dans ce petit chemin. Allez, on va aller là où il y a la base qui surbrille en vert, là. Ah ouais, je pense que oui, ils dirigent vers ma base. Il vaut mieux s'en débarrasser le plus vite possible. On va prendre le marteau. Ah voilà. Et ils ont pour but de reprendre notre base. Ah putain, saloperie. Tiens. Ah ouais, c'est beaucoup plus long à éliminer qu'avec Link, mais bon. Ah mais là, le soldat est complètement à l'opposé, donc. Attends. Allez, on va aller envoyer Link là par là. Et je pense que je vais devoir aller vers ma base bientôt. Hein. Attendez. Attendez. Ah! Ah oui, d'accord. Oh bah, il faut que j'y aille maintenant. il est où Link? Ah, mais c'est pas le moment, je suis en pleine action là. Ah, je vais perdre la mission. Ah, je pensais pas qu'il y avait si peu de vie. Je pensais que ça pouvait attendre. Ah là là, je refais la même erreur qu'avant. Et voilà, putain, merde. Oh. Rien ne sert de courir maintenant, c'est trop tard. Sale brute. Espèce de sale brute. Écoutez-moi le chant des mouettes. Le chant de la défaite. Ah, devant un rocher. Ils savent que j'aime les rochers.
Bon, pour l'instant, voyons voir, champ de bataille. Alors, on va aller. Non. Ah ouais, Basalier, il en est qu'à la moitié de la vie. Pour l'instant, il n'y a pas de rouge, mais bon, ça va pas tarder. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à elle d'aller par là. Et le coffre, il a été... il a pas été validé. Ah, évidemment. Et moi, je vais défendre la base. Voilà. Je vais défendre la base parce que là, j'ai même pas le temps d'aller à mon objectif. Non, tout est fermé. Voilà, ça c'est la poudrerie. Et là-bas, c'est ma base. Ah, c'est assez fidèle à l'univers d'origine de The Wind Waker. Il y a des endroits où on reconnaît un peu mal, mais bon, sinon ça va. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, hein? Et voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'avais dit d'aller là-bas. Ça c'est con là, avec les ordi, dès qu'ils voient des ennemis à affronter, ils s'arrêtent. Tu leur donnes des fois des ordres et ils s'arrêtent pour combattre les ennemis. Non, je t'ai demandé d'aller là. J'espère que Link il reste à notre base. Vu que c'est le plus fort, on va le laisser à la base. Et on va jouer avec Tetra, histoire de l'augmenter un petit peu. Pas toujours garder le plus fort, parce que sinon... Ah bah tiens, le mec a besoin d'aide là. Ah bah c'est trop tard. Ah saloperie. Attends un peu, toi. Tiens. J'arrive trop tard, malheureusement, mais bon. Allez. Je ramène Link devant la base et après, on va reprendre Tetra pour faire la quête principale. C'est par là. Non, c'est par là-bas. Bon, s'il prend le... S'il y a une brute qui prend l'école de Madame Marie, c'est pas grave. Hein. On pourra toujours la reprendre après. Allez, tiens, grosse fessée. Merde. Ah, heureusement qu'ils sont là quand même. Voilà, très bien. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Ah lui, il m'a carrément pris par surprise. Tiens. Ah ouais, joli. Très belle attaque, Petra. Calme-toi, Petra, ça va bien se passer. Ah, 800 ennemis éliminés. Allez. Voilà, nous y sommes. Ah bah là, c'est la forteresse maudite. Ça tient les blobs. Ah d'accord, ils sont plus costauds que dans le jeu d'origine. Ah, j'ai pu l'éliminer. Parce qu'il me paraissait invincible, le blob. Allez, le super marteau. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ça étourdit pas mal l'ennemi autour. Pas mal. Attention, faut pas gaspiller les cœurs. Ok, alors là on reconnaît assez bien la forteresse maudite. Mais en plein jour. Où est-ce que je suis là? Ah, faut que j'aille par là. Bon, on va aller en face là. Goma ou pas de chat? Ah, ça c'est un devoir pour Link. Attends. Ah, d'accord, cette base là est fermée. Et celle là aussi. Bon. Link. Ah, mais on peut dire que je prends ma pique. Ah mais pourquoi là, il est attaqué dans le vide. Je les envoie bouler, mais plus de force. Ah, te voilà, petit coquin. Tu m'en veux, hein? Bon, là, on réaffronte les mêmes boss, apparemment. Bon, à part l'oiseau cuirassé. Là, ça fait je sais pas combien de fois qu'on l'affronte. Allez, voilà. Allez, tiens. Ouais. J'ai enlevé un peu plus que la moitié. Oula. Ah, il fait une attaque qu'il fait pas souvent là. Ah, mais je suis coincé contre le mur ou quoi? Ah putain, mais. Voilà. Voilà quand il tire le laser. À l'horizontale comme ça, il vaut mieux esquiver parce que se protéger ça suffit pas. Il y a beaucoup d'ennemis là. Il a réussi à me foncer dedans. Et pourquoi ils avancent dans Goma les ennemis? Ah, ils vont vers là-bas. Bon, quand tu veux pour ton laser là. Pourquoi ils me tournent le dos comme ça? Ah, ils veulent tous aller là-bas. Mais
Là, ils sont tous acharnés sur ma base là. Là, le coma il est où? Là, un combattant Goma, je suis sorti de ma base sans m'en apercevoir. Bon, est-ce que tu l'as? J'ai pas le temps, hein, tant pis. Allez, Goma! Allez, tiens! Voilà le travail! Bon, voilà, j'ai un peu nettoyé autour de ma base, à part l'oiseau évidemment. Hein? Il est apparu où l'oiseau? Ah d'accord, elle s'en prend au plus faible, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais... Ah j'y suis là, ma base alliée. Ouais, on va demander à Tetra de venir parce que là... Je vois qu'elle a pris l'initiative de se déplacer toute seule. Hein. Alors que j'ai laissé en haut la, à la forteresse, mais bon. Ok, si elle veut. Là. Allez vite, 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 tous les monstres avancent vers la base, c'est pas bon ça. Ah putain, je me suis trompé quand même. J'ai cru que j'avais le marteau, mais non, j'avais les flèches. On est à combien là? Je peux pas faire ma mission d'origine normalement. Ils sont où les autres? L'oiseau cuirassé. Bon, on va laisser Link à la base. Hein. Vaut mieux. Non, on va prendre Tetra pour les missions principales. Et tiens! Alors! Ne fais pas surprise, petit coquin! Allez, on va essayer de récupérer un peu sa jauge. Là. Par contre, quand j'étape, ça a pas l'air de vraiment... Ou alors, ça remplit très doucement ma jauge de fatale. Ah mais il est là le boss.
Voilà, ils sont tous éjectés. Et ils avancent encore vers ma base, c'est un truc de fou ça. Je protège, attention. Voilà. Ah, c'est un saloperie. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, c'est un peu long, là. Il y a combien sérieux, là? Bon, on va essayer d'aller un petit peu autre part, là. Ah, attends, je vois que les portes de l'autre base a été ouverte. Ah. Alors là, je suis pas d'accord. Ma base alliée est à moitié vide, donc ça va. Ouais, il est revenu à l'autre base. Allez, on va aller voir l'autre base un peu là. Tu sais que je dois me diriger au point rouge qui brille en vert. Mais... allez voir ce qu'il y a là. Boss, viens ici toi. Passe un gros câlin un petit peu. T'aimes pas les gros câlins? Ah, d'accord. Ah bah j'ai bien fait. C'est un coffre pour Link, ça. Eh oui. Ah là là, ça m'embête de le retirer de la base, mais hop. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Allez. On y va, on va récupérer le coffre. Et après, je le ramène à la base et je reprends Tetra pour la mission principale. Oh là là, oh là là, 48 minutes déjà. Ça, ça va pas, ça. Ça va pas. Ça y est, en plus, il y en a qui en profitent. Ah, saloperie. Il va y avoir vite fait ce qu'il y a là. Bombe. Bien, Ruby. Allez, on va prendre ça. Là, il y a un truc qui me plaît pas là. Enfin, la brute va pas s'en tirer comme ça, hein. C'est moi qui vous le dis. Ah, bah y'a personne. Bon, bah tant mieux. Allez, vite. La mission principale, un peu là. C'est pas grave, je prendrai Link. Bah y'a rien. Ah, bah y'a un autre truc à activer là. Très bien. Ah, c'est vraiment sympa toutes ces interactions là.
Là, on va pouvoir avancer, enfin. Bon, ceux-là, ils se protègent. Aïe, 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 aïe. Je sais pas à quel moment on peut les frapper, en fait, ceux-là. Peut-être juste en utilisant la fatale, ou alors il y a... Ou alors on peut les tordir avec les... le marteau, c'est vrai, j'aurais dû penser à ça, le marteau. Putain, il se protège tout le temps, quoi. Ah non, c'était pas le moment, c'était pas le moment. Ah, voilà le chef. Ah, j'ai monté niveau 30. Parfait. Là. Alors, voyons voir un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Link? Mais n'importe quoi! Vous surveillez la base! Bon. Ce que je vais faire, c'est. Ah, mais non! Vu que c'est moi qui étais en train de. Voilà. Voilà, je m'y perds, je m'y perds. Hein. Ah, c'est en haut que je dois aller. Là, il y a un autre hibou. Par là, je vois. Oh, j'ai déjà activé. Ah, c'est long, je suis désolé. Là, c'est un peu la galère. Là, je découvre totalement la map en plus. Ça change, ça c'est bien. Ça fait vraiment plaisir. Pas grave, on a perdu un capitaine d'Irul, mais on perd tout. Là. Non. Plus qu'elle est là. Tout droit. Alors on peut pas. On peut pas. Un autre hibou. Ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Heureusement que j'ai ramené Link ici, hein. Vous voulez me prendre par surprise comme ça? Bon, plus de volontaires. Ça va. Ah, et toi alors? Bon, est-ce qu'on va y arriver? Je l'espère en tout cas. Ah, c'est ouvert. Oh, il m'a l'air bien costaud celui-là. Ah bah oui, c'est le chef, lui. Fallait que j'élimine le Goma et le chef. C'est lui, donc, le chef.
D'abord que j'élimine tous ces... J'élimine tous ses potes là, comme ça peut-être qu'il va perdre son aura. Ah. Merde! Il m'a fait tourner de l'autre côté, l'autre abruti! Aïe 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 aïe! Putain, mais. Ah, ils sont longs à battre là! Attention. Ah là là. Mais bon, je l'ai eu. Bon, il est toujours galvanisé. Ça va, j'arrive quand même à descendre sa vie. Allez. Ah non, il était presque descendu. Ah, il a l'air impressionnant. Il a l'air impressionnant comme ça avec son casque, mais ça va. Il est pas si fort que ça. Merde, je l'ai même pas touché, putain, il était juste derrière moi en fait. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ah bah voilà, mission terminée, mission accomplie. Il y avait quand même une base qui brillait là-bas. Mais... C'est toujours fermé, bizarre. Bon. Je sais pas ce qu'il fallait faire pour ouvrir la porte, mais bon, c'est pas grave. Tant que c'est la victoire, ça va. Link met the pirate leader, Tetra, and they fought valiantly together as allies. But it would seem their enemies were stronger and craftier than they had imagined. After claiming victory, Link looked into the sky to see a monstrous bird flying off into the distance. Squinting to get a better view, he saw that the giant bird was carrying something in its talons. Not something, someone. Amos! Tetra. Link had to do something, or she would be lost forever. He dashed off to save her, without a second thought. Oh bah, Tetra s'est fait kidnapper. Alors, on ne sait trop comment ni pourquoi, mais... Il a confondu avec Zelda, encore une fois.
Ah, une deuxième mission. Windwaker à la recherche d'indices. Le désert Gerudo? Ah, on retourne dans le désert Gerudo, c'est même plus l'univers Windwaker. Oh, mais c'est un peu dommage ça. C'est de l'arnaque. Et là, on joue avec Lana, c'est très original. D'accord, bon. S'ils veulent. Oh, bah, j'espère qu'il y aura une troisième mission et cette fois-ci dans l'univers Windwaker, même si on a eu trois univers, trois endroits différents à coller en une mission. Ah, très bizarre. Mais bon, c'était sympa. Et un peu long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle fait plus d'une heure. Désolé, hein. J'ai galéré, j'ai galéré. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!